Effectivement, je vais vous parler du théorème de la coquille Saint-Jacques. J'ai fait l'exposé après avoir fait le résumé, donc peut-être que je me suis écartée de mon résumé. Alors, j'ai décidé, en fait, de vous raconter l'histoire de l'article Life at Low Reynolds Number, qui est en fait l'exposé qu'a donné Purcell en 1976 dans une conférence l'honneur de Victor Peskov. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, ce n'est pas du tout des gens qui sont connus pour la mécanique des fluides. Purcell, en fait, c'est un physicien américain qui a eu le Nobel en 1952, plutôt sur des travaux de résonance atomique. Weskov, je crois qu'il est plutôt connu pour avoir travaillé sur la première bombe atomique. Du coup, je dis que je vais vous présenter l'article qui s'appelle Life at Low Reynolds Number, qui est un article en fait qui est tiré de la présentation de Purcell en 1976 dans une conférence en l'honneur de son copain Victor Weskov. Je disais que tous les deux sont pas connus pour la mécanique des fluides en particulier. Alors, en fait, maintenant, oui, parce que l'article que je vous présente, c'est pas n'importe quel article. Je pense que c'est un article pionnier de la micronatation. Donc, il est cité maintenant 4500 fois. Et en fait, je vous invite à aller regarder cet article, parce qu'il est très rigolo. Il est écrit en termes parlés. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'a dit Purcell pendant son exposé. Et donc, par exemple, il y a des moments où il s'adresse à Victor Weisskopf en lui disant Vicky, tu vois, je fais ça. Donc c'est assez rigolo. Et cet article est ponctué aussi de jolis dessins que j'ai essayé de mettre dans mes slides, qui sont des dessins qu'il a projetés pendant son exposé. Donc dans cet article, en fait, il est question donc, du coup du théorème de la coquille Saint-Jacques. Et là, je vais introduire un peu ce qu'il me faut pour vous expliquer ce théorème. Alors déjà, on va partir d'une définition commune de ce qu'est la natation. Donc la natation, c'est la capacité de se déplacer dans l'eau avec des mouvements périodiques et sans force extérieure. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est sans force extérieure, c'est-à-dire que si je prends, que j'attache un objet avec un fil et que je le tire, c'est pas pour moi de la natation. Et donc la micronatation, c'est nager. C'est les objets microscopiques donc qui nagent, donc qui font de la natation. Donc ici, je voulais vous dire que à échelle micro, les choses sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir à échelle macro. Typiquement, en fait, ça c'est une bactérie qui s'appelle le gléna, et voilà sa façon de nager. Donc disons qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir un poisson ou un objet macroscopique qui va nager comme ça. Alors j'ai donné des exemples, donc là un exemple du spermatozoïde. Ça. Alors là pour le coup c'est une nématode. La nématode, peut-être qu'on a un peu cette idée de la murène qui nagerait un peu comme ça. Mais en tout cas, sur les deux autres templates, c'est quand même des stratégies de déformation qui sont très différentes de ce qu'on peut supputer quand on nage donc à l'échelle macroscopique, à l'échelle humaine par exemple. Et donc, en fait, l'idée du théorème de la coquille Saint-Jacques, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des obstructions au déplacement qui ne sont pas naïves, qui ne sont pas intuitives. Alors, pour raconter tout ça, maintenant on a besoin d'un petit peu de contexte. Je voulais vous présenter les équations de Navier-Stokes. Donc, c'est des équ Alors, j'ai mis les deux scientifiques qui ont été à l'origine de ces équations. Donc, Navier, c'est un ingénieur des ponts qui était un féru de science. Et qui en particulier en 1822 a fait un mémoire avec Laplace sur de la mécanique des fluides. Donc c'est un peu sur le tard qu'il a fait ça. Et d'ailleurs, en fait, il a des contributions un peu dans plein de domaines, voire même en économie. Et en fait, c'est à partir des équations de l'air et en rajoutant les forces de viscosité qu'on a les équations de Navier-Stokes. Et Stokes, c'est quelqu'un
qui est un baronnet anglais qui a travaillé de manière totalement indépendante de Navier sur ces équations. Et donc voilà, en rajoutant ces termes de viscosité, c'est devenu les équations de Navier-Stokes. Alors, les équations de Navier-Stokes, en fait, c'est un bilan des forces sur un petit volume de fluide élémentaire. Et donc, ça va être la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Donc ici, on a le terme masse fois accélération du fluide, les forces de viscosité, les forces de pression, les forces massiques, et cette partie-là qui nous dit que bah, le fluide va être incompressible, c'est-à-dire que le volume va rester constant même si j'exerce une pression sur lui. Alors, ces équations, elles sont toujours pas vraiment bien comprises, et en particulier, je pense qu'elles font partie d'un des 7 défis mathématiques réputés insurmontables par l'Institut Clé. Je suis allée voir justement avant l'exposé la petite notice de ce qu'il faut qu'on montre pour gagner je ne sais pas combien de millions d'euros ou quelques milliers d'euros, je sais pas, je ne me rappelle plus exact de la somme. Mais effectivement, donc si jamais on a des résultats globaux de résistance, d'existence et de régularité de ces équations-là, de Navier-Stokes, eh ben, je crois qu'on est devenu assez riche. Et c'est pour ça que, du coup, bah voilà, c'est pour dire qu'elles sont difficiles à comprendre et que ça reste un domaine complètement ouvert encore. Et en particulier, je voulais vous montrer qu'il y a des régimes complètement différents sur les solutions de ces équations. C'est-à-dire que, bah, quand les fluides sont à faible vitesse, on va appeler ça des écoulements laminaires. Et on voit en fait ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des vitesses de fuite qui vont être relativement régulières en fait lors du passage d'un obstacle. Là, c'est des expériences qui sont menées avec des fluides justement à faible vitesse. Et par contre, dès qu'on va augmenter la vitesse ou qu'on va diminuer la viscosité, eh ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir des comportements complètement différents. On va avoir la présence juste derrière les obstacles de tourbillons. Et donc, ben là, il y a une irrégularité en fait des solutions ici. Et donc, on voit qu'il y a des comportements qui sont totalement différents. Alors là, c'est pour illustrer en fait, hein, typiquement, les mouvements des glaciers, ben, ça se comporte totalement différemment que ce qui se passe dans l'air lors d'un décollage d'un avion de chasse. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a complètement ces différences de comportement. En fait, pour voir ça, il faut adimensionner les équations de Navier-Stokes. Lorsqu'on les adimensionne, on a deux nombres en fait qui vont sortir, qui sont adimensionnés, le nombre de Reynolds ici et le nombre de Froude. Ici, c'est un reparamétrage en échelle de temps. Et donc, en fait, lorsque l'on réécrit les équations de Navier-Stokes, donc en utilisant cette nouvelle échelle de temps, et en divisant par les bonnes quantités, on va retrouver cette équation ici, et on va avoir donc ce nombre qui est le nombre de Reynolds. Et le nombre de Reynolds, c'est une fraction. Donc c'est une fraction en fait qui correspond à la division enfin en la compétition entre deux forces, les termes inertiels ici et les termes de viscosité là. Alors, j'ai voulu faire une analogie avec un problème qu'on résout en terminale, en règle générale, sur l'idée entre eh ben, le problème du skieur, qui est de dire, ben voilà, j'ai mon skieur qui arrive avec une vitesse V sur du plat, et combien de temps, enfin, à quelle distance il va s'arrêter. Et donc là, en fait, pour résoudre le problème, en terminale, en fait, on fait une compétition entre l'inertie du skieur et les forces de frottement. Et ça nous permet en fait du coup de trouver la longueur. Bah, c'est un peu la même idée. Le nombre de Reynolds, c'est la compétition entre l'inertie et la viscosité du fluide. Donc en fait en fonction du problème, on va avoir des nombres de Reynolds très très différents. Et donc là, ben, quand on est une bactérie et qu'on nage dans de l'eau, et ben, on a un nombre de Reynolds de 10 puissance moins 5 moins 6 tout petit. Par contre, quand on a un pigeon qui vole, et ben on va avoir un nombre de Reynolds de 10 puissance 5, un gros poisson encore un peu plus, et un avion c'est encore plus haut.
c'est 10 puissance 8 et c'est 10 puissance 9. Et donc forcément, la différence en fait du fluide va imposer vraiment des stratégies complètement différentes pour la mobilité. Alors je répète, du coup, le faible nombre de Reynolds, c'est dans 3 cas différents finalement. Dans l'eau, quand on est de petite taille avec des petites vitesses, quand on est en fluide très visqueux, par exemple du miel, du silicone, ou bien quand on a une vitesse U très très lente, comme par exemple dans le cas d'un glacier. Donc du coup, dans ce cas-là, eh ben, le nombre de Reynolds qui est en très petit, une bonne approximation pour approcher le fluide, ce n'est pas d'utiliser les équations de Navier-Stokes, mais ça va être d'utiliser les équations de Stokes. Alors, elles sont beaucoup plus simples, et en plus, elles ont la particularité qu'elles sont linéaires. Et on va voir en fait quelles propriétés ça va amener. Donc, je résume ce que je viens de vous dire. En micronatation, le nombre de Reynolds est très petit. Étant très petit, on utilise les équations de Stokes pour modéliser le fluide alentour, c'est beaucoup plus adéquat. Et ces équations sont linéaires, et donc ça va imposer des propriétés du fluide assez différentes de ce qu'on a l'intuition à notre échelle. Alors ici, c'est une petite vidéo qui vous montre une expérience qu'a menée Taylor en 1955. Donc, on a un rhéomètre, c'est-à-dire en fait, on a un fluide très visqueux, à l'intérieur de deux cylindres. Et on va mettre, en fait, à l'aide de cette petite paille, des taches de peinture. Trois taches de peinture de couleurs différentes. Rouge, verte et bleu. Et ensuite, on va imposer une vitesse, une force dans le fluide, en tournant donc la manivelle intérieure du rhéomètre. Ça va, en faisant ça un certain nombre de fois, je crois qu'il fait 5 tours de mémoire, ça va mélanger le fluide. Et ensuite, en fait, on va tourner la manivelle dans l'autre sens. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand on tourne la manivelle dans l'autre sens? En fait, on va avoir exactement les forces inverses qui vont s'appliquer sur le fluide. Et comme le fluide est linéaire, ça va revenir en fait à la position initiale, à quelque chose près, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de réversibilité de l'écoulement de Stokes. Donc en fait, Purcell, dans son papier, avant de donner le théorème, en fait, il met en valeur, enfin, il redit qu'il y a cette propriété-là, et aussi, en fait, il insiste aussi sur le fait que lorsqu'on est en régime de Stokes, le temps n'a pas d'importance. La seule chose qui a de l'importance, en fait, quand on voit les équations, le temps n'apparaît pas. Et en fait, la seule chose qui a d'importance, c'est finalement le cycle de déformation de l'objet. Donc, peu importe la vitesse à laquelle je la fais tant que je reste dans le régime de Stokes. Bien sûr, si je me déforme très très vite, je sors du régime, donc là, je suis plus là-dedans. Mais si je fais mon cycle de déformation à n'importe quelle vitesse, ça va pas changer le déplacement qui sera résultant. Et donc en fait, donc ça c'est une première remarque importante. Et après en fait, ce qu'on va appeler mouvement réciproque ici, c'est le fait de changer de forme et de revenir à sa forme initiale en utilisant le même cycle de déformation inverse, et donc en quelque sorte en donnant au fluide sa force et son contraire. Et donc maintenant, on a tous les éléments pour que je présente le théorème. Donc le théorème, il dit quoi? Il dit qu'en régime de Stokes, un mouvement réciproque n'induit aucun déplacement. Alors c'est typiquement le cas de la coquille Saint-Jacques. Elle fait un mouvement réciproque puisqu'elle ouvre sa coquille et elle la referme. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, elle va donner au fluide exactement la même force pendant qu'elle ouvre et pendant qu'elle la referme. Et donc, dans un régime de Stokes, eh ben, la coquille Saint-Jacques ne va pas avancer. Elle avance grâce à l'inertie, du coup. Alors, on peut retraduire l'énoncé de la manière suivante en disant que quand on n'a qu'un seul degré de liberté, j'ouvre et je ferme ma coquille, eh ben, dans ce cas-là, en fait, je ne peux que faire un mouvement non réciproque.
je ne peux que faire un mouvement non réciproque et donc je ne pourrai pas me déplacer en régime de Stokes. Alors ça, c'est une expérience que tout le monde peut réaliser chez lui. Il suffit d'acheter un petit poisson avec un seul degré de liberté. Voilà. Donc quand vous le plongez dans un fluide ici qui est très visqueux, comme il n'a qu'un seul degré de liberté et qu'il fait un mouvement périodique, et ben en fait il va rien faire, il va pas se déplacer. Par contre, si vous le plongez dans un saladier maintenant avec de l'eau, et ben évidemment il va se passer comme ça se passe dans le bain de vos enfants, l'objet va se déplacer. J'aurais pu le faire, mais bon, la grenouille avait 2 degrés de liberté. Mais ça, voilà ça. Donc, voilà. Alors, c'est pas une preuve. Je vais vous expliquer. Enfin, je vais essayer de vous donner la preuve du théorème plus tard. Et là, je fais un petit résumé pour qu'on n'oublie pas ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc, je vous avais raconté que la micronatation, ça se passait à faible nombre de Reynolds et que les bonnes équations pour faire ça, c'était Stokes. Comme Stokes est linéaire, il se passe des choses qui sont pas très intuitives, et en particulier, on a ces propriétés d'écoulement réversible, et ça entraîne le théorème de la coquille Saint-Jacques, qui nous dit qu'un seul degré de liberté plus une déformation périodique implique qu'il n'y aura pas de déplacement. Alors du coup, Purcell ne s'arrête pas là, quand même. Il va dire, ok, donc on voit vraiment cette obstruction de déplacement pour des objets microscopiques. Et donc, par contre, voilà, il y a plein d'autres stratégies qui fonctionnent. Et en particulier, dès qu'on a 2 degrés de liberté, eh ben, on va pouvoir faire un mouvement non réciproque qui va faire en sorte que le nageur se déplace. Et il propose ce petit objet qui va porter le nom de Purcell Swimmer, alors donc nageur de Purcell, qui est un objet composé de 3 tiges et qui a la possibilité de changer l'angle de la première tige et de changer l'angle de la dernière tige. Et il propose ce cycle de déformation-là, et ce qu'il dit, c'est qu'en faisant ce cycle de déformation-là, ben, a priori, alors il ne fait pas les calculs dans le papier, mais a priori, ça devrait avancer. Alors nous, on va essayer de comprendre dans la suite pourquoi ça avance, mais déjà de manière très heuristique, en fait, on voit que lorsque ici le nageur va baisser son bras, il a le bras qui est donc à droite qui est levé, et par contre quand il va le monter, et ben en fait le bras droite va être, donc c'est entre S3 et S4 ici, le bras droit sera en bas. Et donc, ouïouïouï, là j'ai un petit peu peur, non c'est bon. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben là, comme le nageur n'a pas tout à fait la même forme, la force entre lui et le fluide, la force qu'il va échanger avec le fluide entre S1 et S2 et entre S3 et S4 ne sera pas tout à fait la même et donc ne va pas s'annuler. Et donc effectivement, à la fin de ce cycle de déformation, a priori, on est censé avoir un déplacement parce qu'on n'a pas une totale annulation de ce fait-là. Alors là, du coup, je vais rentrer un peu dans des équations pour montrer qu'effectivement, le déplacement va être non nul. Je vais dire que mon nageur, il va être représenté. Alors là, je comptais faire un dessin parce que je n'avais pas les dessins qui me restaient. Donc, je vais dire en fait que mon nageur, ici c'est mon poisson, il est représenté en fait par... Voilà, il est représenté en fait par une position ici et une orientation, et en plus par des variables de forme que j'ai appelées xi. Et en fait, je suppose que ces variables de forme, on peut les discrétiser, et donc je les suppose comme étant dans RK, ce qui veut dire que K paramètres
décrivent la forme du nageur. Alors maintenant, j'applique les équations de Newton. Alors comme en fait, on a supprimé l'inertie, on a somme des forces égale 0 et somme des moments égale 0. En fait, il se trouve que du coup, le tenseur de Cauchy, il est linéaire en U. C'est un objet qui est linéaire en U. Et il se trouve que U, au bord du nageur, est linéaire en P points et en Xi points. Et donc, en fait, ces équations, elles se réécrivent exactement comme ça. Donc, c'est juste, en fait, que je dis simplement que ces deux équations sont linéaires en P points, ici, et en Xi points. Et donc, évidemment, ce que je répète, hein, c'est que U, là, est solution des équations de Stokes. Et donc, en fait, ben, finalement, la dynamique du nageur, elle peut s'écrire en fait sous la forme d'un système comme ça, une équation différentielle ordinaire, linéaire en le taux de déformation du nageur. Alors, si on n'a qu'un seul degré de liberté, c'est k égale à 1, si on n'a qu'un seul degré de liberté, j'ouvre et je ferme ma coquille, et ben donc, dans ce cas, j'ai que un champ de vecteur, que j'ai appelé F1, puisque j'applique I égale 1 à 1. Et donc, je vois que quand j'intègre entre 0 et la période, et ben en fait, je vais avoir l'intégrale de petit f1, que j'ai appelé grand f1, entre 0 et t. Et le fait que, en fait, mon mouvement est réciproque, hein, c'est-à-dire que je reviens à la position initiale, et ben ça va faire que f1 entre 0 et t sur 2 va être égal à moins f1 entre t sur 2 et t. Et c'est ça qui va faire que ça s'annule. Et c'est le théorème de la coquille Saint-Jacques. Alors maintenant, j'ai 2 degrés de liberté. Et j'aimerais expliquer pourquoi, avec 2 degrés de liberté, ben, je m'attends à avoir un déplacement, à avoir un delta P positif, ou en fait non nul. J'ai un déplacement dans le cas du nageur de Purcell. Alors, qu'est-ce qui fait le nageur de Purcell? En fait, donc, je réécris selon mes notations à moi. Xi1 et Xi2, finalement, ce sont les angles que vont faire les tiges, la première tige et la dernière tige avec la tige centrale. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est ce cycle-là de brasser. Donc, il va lever le bras 1 d'abord, ensuite lever le bras 2, ensuite baisser le bras 1, ensuite baisser le bras 2. Alors, peut-être que ce n'est pas exactement le bon ordre, parce qu'il faudrait qu'ils arrivent à la fin, comme ça, c'est pareil. Donc, ce cycle de déformation est représenté par un carré dans le portrait de phase. Et en fait, quand on regarde, on est en dimension 3, puisqu'il y a 2 déformations. Et alors, ça dépend de P, de la dimension de P, mais j'ai représenté P par une seule dimension ici, pour simplifier. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est pour des petits epsilon, on peut faire le développement asymptotique de la solution de l'équation différentielle ordinaire. Et on va voir qu'en fait, le premier terme qui va sortir, c'est ce terme-là, qui est en fait, ici, c'est le crochet de lit entre F1 et F2. Et en fait, la question, c'est est-ce que cet objet génère une nouvelle direction? Il suffit juste de calculer. Ça, c'est simplement en connaissant le gradient de F1 et de F2, on peut calculer cet objet et démontrer, du coup, le théorème, enfin, ce que dit Purcell, c'est-à-dire que le Purcell-Swimmer va avancer. Alors là, je fais une petite analogie. C'est la même chose, en fait, que d'essayer de faire un créneau quand on est en voiture. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 contrôles, c'est-à-dire qu'on sait aller d'avant en arrière avec la voiture et on sait tourner à fond à droite et à fond à gauche mes roues. Et donc, du coup, comment on fait un créneau? Ben, en fait, l'idée, c'est la question finalement, c'est est-ce que en faisant ces 2 contrôles, je suis capable de me déplacer dans une direction diagonale, enfin, donc de mettre l'objet voiture exactement comme ça. Et en fait, c'est oui. Et comment on fait? On fait du Purcell Swimmer, puisqu'on tourne à fond notre volant. D'un côté, ensuite on recule, ensuite on tourne à fond de l'autre, ensuite on recule, on avance, ensuite on tourne à fond d'un côté, on recule, et en faisant ça, en fait, on va créer une nouvelle direction, et notre voiture, en fait, elle va être capable de se déplacer
dans cette nouvelle direction. Et donc, c'est exactement comment le nageur de Purcell nage. C'est la même chose que faire un créneau en voiture. Et alors, là, c'est une petite vidéo pour vous montrer que ça marche. C'est des gens du MIT qui ont construit un Purcell swimmer, qu'ils ont plongé. Alors, un Purcell swimmer macroscopique, qu'ils ont plongé dans un fluide très visqueux. Et en fait, on voit que, à l'évidence, le nageur se déplace un tout petit peu, mais se déplace. Là, c'est la même idée que le créneau. En fait, on se déplace à epsilon carré, la brassée qui est d'ordre epsilon. Donc, on se déplace souvent moins bien. C'est pas très très compétitif comme stratégie, on va dire. Et donc, ben voilà, c'est un peu ma conclusion pour vous dire que ben, voilà ce que je vous ai raconté. Je vous ai raconté que la micronatation, ça se passait à bas nombre de Reynolds, et donc le bon modèle, c'était les équations de Stokes. Dans ce cas-là, en fait, on a une obstruction qui est le théorème de la coquille Saint-Jacques qui dit qu'un seul degré de liberté ne permet pas de déplacement. Et je vous ai donné un peu les clés pour vous expliquer que éventuellement, quand on a plus de degrés de liberté, on peut se déplacer à ces échelles-là. Et donc, là, il y a plein d'applications à ça. En particulier des applications en micro-robotique. Alors là, j'aime bien cette application. Donc, c'est un robot qui vient chercher un spermatozoïde qui est fatigué et qui va le mettre dans l'œuf. Voilà. Voilà. Tchouk. Après, je sais pas ce que ça va donner. Et ben, donc voilà. Et donc, il y a plein d'applications à ça, la micronatation. Principalement, ce sont des applications médicales. Et voilà, les visées, c'est principalement essayer de faire nager des objets dans des fluides corporels et de les commander à l'intérieur de ces endroits compliqués. Voilà. Et du coup, je termine. Merci.